Alors ça va être chiant pendant à peu près une heure et demie. Histoire de... Je connais quand même deux, trois têtes dans la salle. Donc il y a plutôt du geek. Des gens qui ont des connaissances solides en droit administratif parmi vous. Il y a Agnès quelque part. Oui. Ça, Agnès, où te caches-tu? Ah, là. Là. C'est de la triche. On a Lucie. Lucie, où est-ce qu'elle est? Ah, ça, c'est pas drôle. Alors, je pense que la première chose qu'on va faire, c'est de reposer deux ou trois bases de choses que vous savez probablement pas, parce que c'est pas intéressant dans la vie normale. En particulier, ça ne permet pas de booter un ordinateur. Et puis après, on vous racontera à quoi on joue depuis 5 mois maintenant. 6 même, oui, on a commencé fin d'année dernière. On a commencé décembre 2014, oui, donc, les tout premiers travaux. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas parmi vous, il y a tout ce qui relève de la justice en France est coupé en deux. Il y a ce qu'on appelle le judiciaire, qui traite ou bien le pénal, c'est quand vous tuez les gens, ou bien le civil, c'est quand deux personnes ne sont pas d'accord et sont en bisbille. Vous contestez ce que fait votre voisin, vous contestez la couleur de sa façade, c'est du civil. Tout le conflit entre deux personnes, entre deux individus, ou entre deux entreprises, ou entre un individu et une entreprise, c'est du droit privé, ça relève du judiciaire. Vous allez voir le tribunal qui va juger l'affaire. Vous allez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a décidé le tribunal, vous allez aller en appel, où la cour d'appel va rejuger le fond du dossier, réétudier votre affaire. Et si vous estimez, non pas que la cour d'appel s'est trompée, mais qu'elle a mal appliqué le droit, ce qui est très particulier, c'est pas qu'elle a mal compris le dossier, ça c'est trop tard, mais qu'elle a mal appliqué le droit, qu'elle a mal lu la loi, vous pouvez aller en cassation, et où la cour de cassation dira comment doit se lire la loi. Et dira, la loi a été bien lue, et donc c'est bien comme ça qu'il fallait l'appliquer, ou bien dira, la loi a été mal lue, manifestement le juge n'a pas compris, la loi en vrai, elle veut dire ça, et donc il est prié de reprendre le dossier. Ça, c'est le droit privé. Le droit public, c'est en fait à chaque fois que vous attaquez l'État ou la puissance publique de manière générale. Pour contester une décision de la mairie, pour contester un permis de construire, pour contester le plan d'occupation des sols, pour contester une décision de l'administration. C'est vous avez demandé un titre de séjour, il vous a été refusé, c'est du droit administratif. Ce genre de choses-là, ça se passe côté administratif. Donc il y a des tribunaux administratifs pour contester un peu tout. C'est-à-dire que quand on veut contester une décision de la mairie de Paimpol, on va au tribunal administratif de Paimpol, où le juge administratif dit oui ou non. Si on n'est pas d'accord, on fait appel. On va à la cour d'appel de la grande ville d'à côté de Paimpol. Et puis, si on estime que le droit a été mal appliqué, on va en cassation. Et ce qui fait office de cour de cassation en droit administratif, c'est le Conseil d'État. Il y a un point très particulier qui est quand on veut contester un décret. Pas une loi, un décret. Un décret, c'est une décision de l'administration. Une loi, c'est pas une décision de l'administration. Quand on veut contester un décret, c'est difficile de savoir quel serait le tribunal compétent puisque le décret s'applique sur toute la France. Donc c'est pas le tribunal de Paimpol ou celui de Paris. Et du coup, un décret, ça se conteste directement devant le Conseil d'État. C'est très particulier comme procédure parce que normalement, quand on arrive devant le Conseil d'État, on est au moins au troisième boss de fin de niveau et donc on n'a pas le droit de parler devant le Conseil d'État si on n'est pas avocat au Conseil ou avocat à la Cour de cassation. C'est une marque très 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 particulière d'avocat et le justiciable tout seul, juste, il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit d'y aller, il n'a pas le droit d'envoyer un dossier. C'est pareil à la Cour de cassation. Vous ne pouvez pas aller en cassation tout seul. Sauf dans un cas très précis, quand le Conseil d'État est le tribunal administratif compétent et que c'est donc lui qui va juger le dossier pour la première fois. Et donc, typiquement, quand on conteste un décret d'application d'une loi,
On s'adresse directement au Conseil d'État puisque c'est une décision administrative qui n'est pas locale. Et ça se fait sans avocat. On peut y aller, c'est n'importe qui estime que tel décret pris par le gouvernement n'est pas bon, écrit un petit papier, puis il envoie ça dans le bon nombre d'exemplaires au Conseil d'État en expliquant pourquoi ça lui paraît pas bon. C'est gratuit. Et on a le droit de le faire non, sans avocat. Non, c'est pas gratuit, il faut payer le recommandé qui pèse juste une tonne. Ouais, alors celui le plus volumineux qu'on ait envoyé, c'est celui sur le décret 2015-125. Le recommandé faisait 2,5 kg et le timbre, c'est 11,80 euros. Voilà, pour un recommandé de 2,5 kg. Donc c'est petit pour un bébé, gros pour un rôti. Du coup, ça, c'était les quelques bouts de chiries administratives que nos amis juristes savent. Affectionnent. Le but de cette présentation, c'est de faire un peu un état des lieux de où est-ce qu'on en est dans nos... Où est-ce qu'on en est dans comment est-ce qu'on emmerde le gouvernement. Et puis en fait, on va très peu parler finalement du projet de loi renseignement, bien que c'est vachement à la mode et qu'on ne parle que de ça depuis pouf. Et puis en fait, on vous redécouvrira à la fin qu'on a parlé que de ça pendant toute la conférence. Oui, on ruse. On triche. Donc, le point de départ de ce truc-là, je sais pas, je te laisse raconter tes exploits tout seul ou je fais ton panégyrique. Moi j'expliquerai bien dès le début qu'il y a deux parties sur la slide et que c'est quand même deux bouts fondamentalement différents. Ouais. Ça, je te laisse expliquer. Moi, je raconterai tes exploits après. Du coup, on a deux parties intéressantes qui sont un peu les deux trucs que nos chers législatifs et exécutifs ont trouvé intelligent de nous mettre dans notre législation française. C'est deux trucs qu'on trouve tout pourris. Le truc qui est à droite, c'est le fait que dans un certain nombre de situations, pour censurer du contenu ou pour retirer du contenu, il y a l'absence du juge judiciaire. Donc c'est typiquement lorsqu'on parle de la loi Cazeneuve, qui est la loi antiterrorisme qui a été votée à la fin de l'année dernière. Lorsqu'on faisait campagne, on parlait donc de censure administrative de sites web, on parlait de déréférencement, le tout administratif, donc sans passer par le pouvoir judiciaire, sans avoir le droit à un procès équitable comme garanti par etc. etc. Ça, c'est un premier truc tout pourri. Le deuxième truc tout pourri, qui est vieux, c'est la partie de gauche et vous voyez qu'elle est plus complexe, mais elle est plus complexe parce qu'on a plus de choses à en dire en fait. C'est écrit tout en haut en capital, c'est la data retention. Et alors data retention, même si jamais moi j'étais pas vraiment né à l'époque, data retention is no solution. C'est un vieux combat. Oui, ça va rajeunir personne parmi les vieux militants d'Internet. Data retention is no solution. C'était le slogan à l'époque où la rétention des données de connexion a été mise en place en Europe. 2005, je crois, la campagne qui était menée par Access4All, donc il y a une dizaine d'années, et qui n'était déjà pas la première dans le domaine. Donc pour rappeler au cas où, la data retention, c'est le principe selon lequel les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs ont l'obligation de conserver pendant un certain temps les informations de connexion, dans le cas des FAI, savoir qui était associé à quel IP, savoir éventuellement vos informations de paiement, énormément d'informations techniques ou non. On ne va pas les détailler, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais enfin, on pourra en dire trois mots tout à l'heure. Et puis également côté hébergeur, pouvoir associer une modification, une publication de contenu à une IP ou un utilisateur. Alors il y a deux niveaux dans cette histoire. Je pense qu'on va commencer par data retention. C'est écrit tout en haut. C'est plus intéressant. Il y a deux niveaux. Il y a la législation européenne, le cadre législatif européen et la législation française. La directive 2006-24-CE, toute poucrave, instaurée, imposée aux pays membres de l'UE de mettre en place, de transcrire dans les législations nationales
le principe de la data retention. Alors, il ne précisait pas vraiment ni la durée, ni exactement quoi, mais enfin, il demandait à ce qu'on mette en place un certain nombre de choses. Si, alors ça précisait quand même pas mal de choses. En particulier, ça donnait des durées. Alors, ça disait que la durée ne pouvait pas excéder 2 ans pour la conservation des données. Ça indiquait qu'on devait conserver à qui était attribuée une adresse IP, qui était l'émetteur et qui était le destinataire de mail ou de correspondance de manière générale, qui était l'auteur des contenus publiés, enfin un certain nombre d'infos de ce type-là. Et donc oui, le bout à savoir, c'est la directive 2006-24-CE, c'est du droit européen, donc il est obligatoire de la transposer dans le droit de chacun des pays. Et la législation française sur le sujet est plus ancienne. Typiquement, la loi sur la confiance en l'économie numérique, qui définit un certain nombre d'obligations de conservation des données, date de 2004, date pas de 2006. Et à l'époque où la LCEN a été adoptée, il y avait une autre directive européenne qui définissait de manière très floue un tout petit ensemble de données qu'il était obligatoire de conserver, qui était une directive de 2002. Et ça, c'est intéressant parce qu'il va lui arriver des bricoles à la 2006-24-CE. Eh bien, patatras, avril 2014, la fameuse, la célébrissime décision de la CJE, la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Digital Rights Ireland. Je n'ai pas la référence. Non, je ne l'ai pas en tête. Non, enfin, peu importe. C'est assez fantastique. Des camarades donc, d'Irlande, au cours d'une procédure plus classique, il y avait dû avoir un contentieux, ils étaient passés par la juridiction locale, ils étaient passés en appel, passés en cassation, etc. Alors, selon leur système à eux, mais enfin, ils étaient arrivés à la Cour suprême du coin, et puis la Cour suprême avait été un peu, s'était interrogée sur comment est-ce qu'il faut interpréter le droit européen, que signifie un peu cette directive 2006-24-CE, et puis comment on l'interprète. Et donc, ils ont demandé son avis à la Cour de justice de l'Union. La Cour de justice de l'Union, elle a répondu à un truc très intéressant. Elle a répondu que conserver les données de tout le monde pendant longtemps, surtout sans raison, c'était pas possible. En fait, c'est une décision qui est extrêmement importante parce qu'elle dit que le simple fait de conserver, même sans les consulter, les données de connexion des gens relève de la surveillance généralisée et donc n'est pas compatible avec un État démocratique. Et que on ne peut pas conserver les données de tout le monde pendant longtemps sans raison. C'est pas possible. Effectivement, ça a du sens de garder les données des gens qui sont suspects de plein de trucs pendant longtemps. Mais comme on n'est pas tous suspects de plein de trucs, faudrait voir avoir à moyenner et donc... pas tout le monde au même régime. Et du coup, conséquence de cet arrêt Digital Rights Ireland, la directive 2006-24-CE est cassée. Et c'est là que nous, informaticiens, on a beaucoup de mal à comprendre. Les dépendances, les juristes ne connaissent pas. Alors en fait, si, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Enfin, la directive européenne est invalidée par la CJUE, donc n'est plus applicable. Il y a pas mal de pays dans lesquels les lois sur la rétention des données de connexion sont des transpositions directes de la directive. Dans tous ces pays-là, la procédure pour faire sauter la loi en question est extrêmement rapide. Il faut se débrouiller par un biais quelconque pour saisir la cour qui est capable de faire sauter une loi, faire « bonjour monsieur, la directive a sauté, la loi est une transposition, elle doit sauter ». En général, dans les semaines qui suivent, on a une décision qui dit « ça a sauté ». On en est à 7 ou 8 pays en Europe où ça y est, c'est fait, c'est réglé. La loi sur la conservation des données de connexion a sauté. Pas en France. Pas en France, puisque la loi sur la conservation des données de connexion, elle date d'avant. Elle n'est pas une application de la directive. Elle est conforme à la directive. Elle a été modifiée tout plein depuis pour être tout à fait conforme à la directive de 2006. Mais elle date d'avant. Ce n'est pas une transposition. Et donc en France, pour attaquer ça, c'est plus compliqué. Et en fait,
La bonne idée apparaîtra le 25 décembre. Alors c'est assez rigolo parce que le 24 décembre était publié le décret d'application de l'article 20 de la loi de programmation militaire qui explique dans quel cas les services de police administrative, c'est-à-dire en gros les services de renseignement, plus deux ou trois autres, peuvent accéder aux données de connexion de tout le monde dans un certain nombre d'enquêtes, de mises sous surveillance, etc. etc. Et donc, on a là un décret. Alors, la loi de programmation militaire, on s'y était beaucoup opposé à l'époque, mais les décrets d'application sont pris le 24 décembre. Et là, on a un des membres de FDN, fin juriste de son état, qui fait « Oh, mais ça parle de rétention de données de connexion ». Et il faut savoir qu'on ne peut attaquer un décret que dans les deux mois de sa sortie. Après, on ne peut plus. Et donc, lui, il fait « Oh, mais ça parle de rétention de données, donc on peut attaquer le décret. Donc, en contestant le décret, on peut rappeler au Conseil d'État la décision européenne, rappeler au Conseil d'État que tout le machin sur le stockage des données n'est pas conforme au droit européen et que donc l'ensemble devrait sauter. En fait, on peut profiter de cette entrée-là pour obtenir une décision du Conseil d'État, en fait, qui dise la décision de la CJUE s'applique en France, et on peut essayer de torpiller le tout. C'était ça l'idée de départ. S'en suivent quelques discussions sur IRC, d'autres camarades de l'association qui font « Ouais, mais on s'en fout, le Conseil d'État, on y était déjà allé sur Adopi, on avait perdu, ça sert à rien, ça crame une énergie considérable, c'est pas productif, on va pas y aller. » Puis il y a Fabien qui arrive et qui fait si, on va y aller, c'est très rigolo. Ouh là là, déconnez pas. Et donc on a monté, dans les jours qu'on suivit, un petit groupe de travail composé de 3-4 geeks et 3-4 juristes. Assez brillants les juristes quand même. Oui, hein, je trouve qu'ils sont pas mal. Ils poutrent un peu. Et donc, dans les deux mois impartis, on a écrit un recours contre le décret d'application de l'article 20 de la loi de programmation militaire, donc qui est le décret 2014-1576. Le texte du recours est en ligne sur blog.fdn.fr, dans un article qui doit dater du mois de janvier. Ça se lit presque correctement. Ah ouais, celui-là, il est raisonnable, il doit faire 25 pages. Et c'est du français juridique presque d'une marque lisible. Hein. Enfin, ça peut s'aborder. Il y avait des informaticiens qui bossaient dessus, donc on a essayé de sous-titrer un peu. C'est mis en page avec LaTeX, c'est à peu près propre. C'est lisible. Ça, c'est encore raisonnablement lisible. Donc ça, on a déposé le recours dans les temps impartis. On fait chronologique ou on fait par thème ? Oh, je pense qu'on va faire chronologique. Enfin, non, on va rester à peu près sur les thèmes. Je ne veux pas qu'on entremêle les décrets. Ah, si tu veux qu'ils voient mieux à quel point est-ce qu'on est au bout du rouleau, chronologique, c'est mieux. Non, bah non, ça se voit qu'on est crevé. Ah bon, ça va alors. Donc, dans les choses qu'on a lancées à partir de ça, alors il y a un point important, qui est qu'on a reçu une aide qui n'était pas prévue. On n'a pas de budget pour faire ces conneries-là. Hein. C'est tout fait sur notre temps libre et on brûle du temps libre de juristes qui sont tous bénévoles. Et en fait, il y a un avocat au Conseil et à la Cour de cassation qui s'est proposé de nous aider. Et donc qui est venu nous aider. Et qui rentre parfaitement dans le budget qu'on avait alloué. Oui. Il a été multiplié par à peu près beaucoup, mais ça fait toujours pareil. Je vous laisse calculer. Donc on a doublé le budget avocat. Alors Maître Patrice Pinozzi, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a eu la peau de la garde à vue. Quand la garde à vue a été déclarée anticonstitutionnelle parce qu'il n'y avait pas d'avocat, voilà, c'était Spinozzi. Il est venu se proposer de nous aider sur ce dossier-là et sur potentiellement d'autres. Assez convaincu qu'il est que la défense des droits de l'homme de nos jours se fera beaucoup sur nos sujets. Sur des trucs qui touchent à l'informatique et au numérique et à Internet et aux chatons et tout ça. Voilà. Et a priori, dans la prochaine version des droits de l'homme, il devrait y avoir une licorne.
Mais du coup, pas con et fréquentable, le juriste. Enfin, non, non, c'est... il arrive à nous supporter, ce qui est quand même assez bizarre. Et donc, on a vu avec lui le fait que nous, ça nous démangeait, parce qu'on pense que l'article 20 de la loi de programmation militaire, qui dit les services de police et de renseignement, ils ont accès à tout qu'ils veulent sur la vie privée des gens, sans demander la permission à personne, et ils en font ce qu'ils ont envie, y compris en temps réel sur les réseaux. On oublie, mais il y avait ça dans la loi de programmation militaire. Oui, donc... et puis quand on parle d'administration, c'est limite s'il n'y a pas les profs. Hein. Faut vraiment lire la liste pour avoir peur bien comme il faut. Il y a les brigades des transports, les brigades régionales des transports, hein, les mecs qui gèrent les autocars. Je ne vois pas bien pourquoi ils iraient regarder la vie privée des gens. Et donc, nous, on voulait poser la question au Conseil constitutionnel de savoir si tout ça était d'équerre. Et il se trouve qu'on voyait arriver les deux décrets d'application qui allaient pas tarder sur la loi Cazeneuve, antiterroriste. Ouais, on y vient, ça. Et donc, on n'avait pas tellement le temps de... On aurait pu faire une question prioritaire de constitutionnalité. Qui voit ce que c'est qu'une QPC? Bon, il n'y a pas assez de bras. Alors... Je trouve ça déjà pas mal, mine oui, de rien. Oh bah, c'est du geek, hein, c'est plutôt instruit. Une QPC, c'est en fait, dans n'importe quelle procédure où vous allez en justice, vous estimez que la loi qu'on va vous appliquer est contraire à la Constitution, vous déposez un dossier expliquant en quoi vous pensez que l'article de loi qu'on va vous appliquer est contraire à la Constitution. Si la question est considérée comme étant nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà eu une réponse disant que ça va, c'est conforme à la Constitution, et que la question est sérieuse, la Cour de cassation ou le Conseil d'État, selon qu'on est en droit privé ou en droit public, peut décider de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Alors, c'est prioritaire non pas au sens où ça doit aller vite, c'est prioritaire au sens où ça doit avoir lieu avant de trancher votre dossier. Et donc votre dossier est suspendu pendant les 3 mois qu'a le Conseil constitutionnel pour répondre. Et donc on a déposé une QPC qui donc dérive du... qui est rattachée procéduralement au fait qu'on a attaqué le décret. On ne pouvait pas poser une question de constitutionnalité s'il n'y avait pas une procédure. Il aurait fallu soit que nous soyons attaqués pour avoir refusé d'appliquer la loi, et qu'on puisse dire « mais la loi que je refuse d'appliquer est contraire à la Constitution », ou bien il fallait que nous attaquions le décret d'application de la loi pour pouvoir poser une question au Conseil constitutionnel et lui dire « ce texte ne va pas ». Donc ça, ça a été le deuxième missile qu'on a mis sur le lance-roquette. Donc la deuxième procédure qui parle de data retention. Et là est apparu un bug. Bon, alors c'est une bug d'abord. Hein. C'est ça Stéphane? En fait, si jamais par mégarde notre QPC était transmise, si de manière malencontreuse le Conseil constitutionnel nous donnait raison, alors... Les articles de loi qui disent dans quelles conditions la police administrative peut accéder aux données de connexion tombent. Du coup, le décret que nous attaquons tombe. Du coup, nous gagnons notre recours devant le Conseil d'État. Mais du coup, le Conseil d'État ne dit rien sur le fait qu'il faille garder les données de connexion des gens. La rétention des données s'en sort indemne. Si jamais on a gain de cause devant le Conseil constitutionnel... La rétention des données de connexion s'en sort indemne. Et pas de bol, le Conseil d'État, il a trouvé que notre question, malgré le fait que le Premier ministre disait qu'on n'était rien que des ouaves et que en fait, eh ben, c'était tout pourri. On est des exégètes amateurs. Des exégètes amateurs, hein. et nous exégeons. Numériste, non, ça c'est beaucoup plus récent. C'est après, c'est le ministre qui a dit qu'on était numériste. Exégètes amateurs et de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi la suite. Et ben, malgré l'avis du Premier ministre, le Conseil d'État... Durvoas qui avait dit ça. Ah oui, le Premier ministre, lui... Ah ben, le Premier ministre, dans son mémoire, qui nous a envoyé tout ça... Hein, il dit qu'on se trompe tout du long, mais le Conseil d'État a été d'avis que la question est sérieuse. Donc on a bien fait, en fait, avant même de déposer la QPC, voilà, le doute était apparu sur « Eh merde, si jamais on gagne, on perd ». Enfin, on gagne un bout, mais on manque un grand pan de la cible. Et là, il y a quelqu'un qui nous a parlé d'une très jolie jurisprudence à l'Italia d'il y a 35 ans. Et alors celle-là, on ne sait pas vraiment où il allait la chercher, mais c'était plutôt un éclair de génie.
Bah, il est quand même docteur en droit, le monsieur, donc moi je vois bien où il va le chercher, il a de la culture. L'idée est géniale. On ne peut attaquer une décision de l'administration que dans les 2 mois qui suivent la décision. Le décret qui définit la rétention des données de connexion date de 2011, donc il est intouchable. Sauf que l'administration est tenue d'abroger un décret illégal. Donc, nous avons envoyé un petit courrier à Monsieur le Premier ministre, lui disant « Cher Premier ministre, le décret machin est illégal. Regarde, il est contraire à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Il est conforme et quasi identique à la directive qui a été cassée. Tu dois donc l'abroger. » Il devrait nous répondre dans quelques semaines. Ah bah, ou pas. Ou pas. S'il nous répond pas, ça veut dire qu'il rejette notre demande. Alors on peut pas attaquer le décret. Mais on peut attaquer le rejet de notre demande. C'est une décision de l'administration nouvelle que nous pouvons attaquer dans les 2 mois. Et auquel cas, le Conseil d'État se prononcera et peut tout à fait dire « Le Premier ministre a eu tort d'abroger le décret parce que le décret est effectivement illégal. » Et le Conseil d'État ne peut pas abroger le décret tout seul. En revanche, une telle décision du Conseil d'État, ça évince le texte, comme disent les juristes. C'est-à-dire, le Conseil d'État a dit « Ce texte n'est pas valable. » Donc aucune administration en France n'a le droit de l'appliquer. Il existe, il est là, il est toujours au journal officiel, il n'est pas réputé abrogé, il n'est plus applicable, il n'a plus d'effet de droit. Il est juste commenté, évincé, en fait. C'est devenu une branche de code mort. Il y a un if zéro autour, on ne l'a pas enlevé, mais c'est devenu du code mort. Et alors ça, c'est un morceau très drôle. Et donc on a bien fait, puisque la question prioritaire de constitutionnalité, là-dessus, il faut repérer... On voulait s'en servir essentiellement comme arme médiatique de la QPC. On voulait s'en servir dans le cadre des débats sur le projet de loi renseignement. Et manifestement, le Conseil d'État a bien aimé. Puisque nous, on a déposé la QPC pendant le débat à l'Assemblée nationale. La date de dépôt de la question au Conseil d'État, c'est pendant les débats à l'Assemblée nationale, histoire de mettre un petit coup de pression sur les députés en leur disant « Arrêtez de voter des merdes contraires aux droits de l'homme, nous les attaquerons. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou pas, on n'a plus besoin de vous pour les attaquer. » Le Conseil d'État avait grosso modo 3 mois pour décider s'il transmettait ou s'il ne transmettait pas. L'audience publique, qui marque la fin de l'instruction du dossier par le Conseil d'État, avait lieu la veille de l'ouverture des débats au Sénat. La veille, pas 8 jours avant, la veille. La décision du Conseil d'État a été rendue officiellement la veille du vote solennel. C'était le vendredi, alors que en le fait, vote elle a lieu été, le lundi. Elle était annoncée le lundi, et la décision officielle est du lundi. Celle qui est notifiée dans les recommandés qu'on a reçus, sauf erreur de ma part, elle est vraiment du lundi. Le communiqué de presse est du vendredi. On s'en fout. La veille du vote solennel au Sénat. Et la décision, elle est très courte. Il y a 2 paragraphes utiles. Et elle ne dit pas... elle dit pas des choses compliquées. Elle dit... Le texte pose des vraies questions sur les libertés et doit donc être transmis. Tu cherches si tu l'as ? Donc ça, voilà, c'est un élément sur lequel on a bien fait de prévoir une procédure de backup. Donc, on en est, si vous comptez bien, à 3 procédures qui sont en cours. Une qui est le fait que nous avons attaqué le décret d'application de l'article 20 de la loi programmation militaire. Une qui est que nous avons une procédure en cours devant le Conseil constitutionnel pour savoir si cet article 20 de la loi de programmation militaire est conforme à la Constitution ou pas.
et une troisième qui demande poliment à Monsieur le Premier ministre de bien vouloir abroger ces décrets tout minables sur la rétention des données de connexion des gens. Donc ça, c'est la réponse que Monsieur le Premier ministre a envoyée à FDN pour dire que c'était la garde des Sceaux qui était en charge de traiter le dossier. Qui était en charge de ne pas nous répondre pour qu'on puisse l'attaquer. C'est ça. Donc, on en est à 3 procédures. Les deux autres sont un petit peu plus faciles. Donc, la loi Cazeneuve antiterroriste de novembre 2014, donc, qui est toute fraîche, vous repérez, la loi venait d'être votée quand on a détecté le décret d'application de celle d'avant. Et on s'attendait à ce que les décrets sortent hyper vite, parce que, enfin surtout juste après les attentats en janvier, on s'attendait à ce que les décrets sortent très 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 vite. Et donc en fait, on a commencé à bûcher sur les décrets d'application de la loi Cazeneuve pendant que les gars de chez Spinozzi préparaient la QPC, qu'on venait de boucler le recours sur le premier décret, et qu'on était en train de militer à l'Assemblée nationale en parallèle sur le projet de loi renseignement. Sur la loi Cazeneuve, puis ensuite le projet de loi renseignement, et où donc les juristes qui bossent avec nous, qui sont les mêmes, qui font les analyses juridiques pour la Quadrature, il fallait qu'ils fassent tout en même temps. Donc là, si je peux me permettre de t'interrompre, je pense que ça vaut un tonnerre d'applaudissements. Et ils ne sont pas tous là, parce qu'il y en a qui sont en train de bosser. Non, parce que les mails, ils arrivent là, maintenant, en ce moment. Donc là, on a deux procédures dans le cadre de la loi Cazeneuve. La première, c'est le décret 2015-125 qui organise la censure sur décision secrète de la police de sites web. Et ça, c'est quand même magique. La police peut décider de censurer un site web et la décision de censure n'est pas publique. Forcément, c'est pour censurer les sites qui... C'est les sites pédoporn et les sites terroristes. Il ne peut pas y avoir publié au journal officiel de la République française une décision de censure. C'est un annuaire du pire dans le pédoporn, estampillé République française avec le logo de la gendarmerie en haut, quoi. Ça ne peut pas. Donc c'est forcément sur décision secrète. On ne peut pas contester une décision secrète. Comment voulez-vous ? Je vous assure, réfléchi comme ça, c'est une censure sur décision secrète du ministère de l'Intérieur. Comment c'est possible ? C'est un problème de fond. C'est quelque chose d'énorme en soi. Donc ça, c'est la deuxième procédure qu'on a lancée, qui est en cours devant le Conseil d'État. Les ministères concernés avaient un mois pour nous répondre. Il y a 3 mois de ça. Bon, donc on attend toujours leur réponse. Quand le Conseil d'État en aura marre, il soufflera un peu dans le tuyau et on aura nos réponses. En revanche, quand nous, on aura la réponse des ministères, il faudra qu'on envoie une réplique sous un mois. Et alors, nous, on n'aura pas le droit à 24 heures de retard. Non, nous ça ne marche pas. Ne déconnez pas, on n'est pas ministre. Et puis, troisième décret qu'on attaque, c'est celui qui organise de la même manière. Il est branlé pareil. Le déréférencement sans décision judiciaire. Alors globalement, on s'est dit, celui-là, on s'en fout, parce qu'on n'est pas moteur de recherche, parce que le déréférencement, c'est quand même bon, c'est moins grave. Si on pouvait faire sauter la censure, ce serait pas mal. Puis c'est pas notre boulot, quoi, d'attaquer ça. Et en fait, que Google, ils ont plein de fric pour faire ça, en fait. C'est ça. Et puis en fait, on a décidé qu'on allait l'attaquer quand même, ne serait-ce que pour pouvoir chier sur la tête de Google en disant « Vous ne l'avez pas fait. Vous aviez les moyens, vous ne l'avez pas fait. Vous faites la morale à tout le monde sur le fait que le gouvernement chinois vous fait des crasses, que la liberté d'expression c'est bien, vous vous présentez comme vertueux. Quand il s'agit de défendre les libertés en France, vous ne le faites pas. » Et voilà, c'est intéressant, je trouve, en termes de communication, de pouvoir rappeler que Google, ils sont gentils quand ça les arrange.
Et donc, rien que pour ça, on a déposé le recours qui va bien. C'est pas celui qu'on a le plus travaillé, c'est pas le plus long. Mais voilà, c'était important qu'on l'attaque aussi. Oui. Alors, faut bien voir, autant sur tout le chapitre data retention, on est plutôt confiant dans, en nos chances de réussite. Autant sur ceux là-bas, c'est peu probable qu'on obtienne quoi que ce soit, très clairement. C'est une question ouverte. Bah, le Conseil constitutionnel avait quand même déjà dit que censurer administrativement pour le pédoporn, oui, le Conseil constitutionnel. Alors du coup, il n'y a pas de raison qu'ils disent pas pareil pour le terrorisme. Mais on va pas au Conseil constitutionnel. Là, on demande au Conseil d'État si le décret d'application est propre. Et c'est pas la même question, en fait. C'est pas la même question. Il y a des tas de petits détails dans la façon dont les décrets d'application sont écrits qui posent des problèmes. Pas forcément de constitutionnalité, mais qui posent des problèmes. Le décret définit pas comment on filtre, définit pas ce qu'on filtre, définit pas du coup si ça doit se faire en mettant du proxy filtrant ou par de la censure DNS, ce qu'a prévu le ministre, ou par du DPI. C'est pas dit. Et la façon dont est branlé le décret fait que la police peut demander n'importe quoi. Et c'est pas possible. Pareil, il y a un certain nombre de garanties qui auraient dû se trouver côté loi et qui n'y sont pas. Même si on conteste, même si on accepte qu'il puisse y avoir une décision secrète de la police, il doit y avoir quand même un certain nombre de garanties qui doivent être présentes dans la loi. Et bon, alors c'est effectivement pas les recours sur lesquels on est les plus solides, mais pour ceux d'entre vous qui les liront ou qui les ont lus, il y a quelques arguments très valables dans ce qu'on soulève. Histoire qu'on déborde pas trop du temps et que vous puissiez poser à peu près 500 000 de questions. Pour ceux d'entre vous qui n'exégésez pas tout à fait assez, qui parmi vous a lu le projet de loi renseignement? Oui. Oui, oui, non, mais Agnès, elle l'a appris par cœur, ça, c'est autre chose. Toi, t'as un mot du docteur. Au moins une des versions. Lu, pas parcouru. Lu suffisamment pour avoir repéré que l'article L851.1 est en fait le L246.1 du Code de la Sécurité Intérieure renuméroté. Les articles clés dans le projet de loi renseignement, 851.1 et suivant, sont les anciens 246.1 et suivant renumérotés. Les articles L246.1 à L246.5 du Code de la Sécurité Intérieure ont été créés par l'article 20 de la loi de programmation militaire et font précisément depuis quelques jours l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que si le Conseil constitutionnel nous donnait raison sur notre QPC d'exégète amateur, de mauvaise foi. De mauvaise foi par-dessus le marché. Ça torpille l'article 20 de la loi de programmation militaire. Ça fait sauter le décret qu'on attaque. Et ça coule tout le volet internet de la loi renseignement. C'est-à-dire qu'après, sur la magnifique saisine concernant le projet de loi renseignement, le Conseil constitutionnel pourra dire « Oh, mais il est vachement bien maintenant qu'il n'y a plus du tout tous les trucs tout poucraves au milieu. Vous pouvez tout garder. » Ayant enlevé tout grand-chose. Donc voilà, ça, c'est vraiment un élément intéressant. Je ne suis pas certain qu'au ministère, qu'il l'ait vu venir, ça. Non, je pense maintenant, ça, ils sont au courant. Mais il y a 2 mois, quand on a déposé le recours contre le décret, je pense qu'ils ne l'ont pas vu venir. Pourtant, dans le recours, on annonçait qu'on allait poser une QPC. Je pense même que quand on a posé la QPC, ils ne l'ont pas vu venir. Sinon, la réponse du Premier ministre aurait été de meilleure qualité. Le secrétariat général du gouvernement, pour essayer de défendre son texte, et donc pour essayer que nous n'envoyions pas, enfin, que la QPC n'aille pas au Conseil constitutionnel, a fait une réponse qui est faible. Techniquement, qui avance pas de bons arguments, qui est pas très structuré, enfin qui moi m'a paru faible quand je l'ai lu. Après, peut-être les juristes, on n'en a pas tellement débattu, diront que c'est mal écrit, mais avec des arguments très solides. Ça, j'en sais rien. Mais
De toute façon, ce n'était pas fait avec la tech, alors ça ne peut pas marcher pour Benjamin. Hein, c'est... Oui, ça partait pas bien. Mais le Conseil d'État est d'accord avec nous, globalement. Parce qu'il faut bien voir que dans le rapport, donc, lorsqu'on a posé une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d'État a étudié, s'est demandé si jamais la question était petit 1, nouvelle, petit 2, sérieuse. Et donc, il y a un rapporteur public, un mec de chez eux qui bosse, qui étudie la question et qui donne son avis. Et donc, ce rapporteur public, lors de l'audience, a dit à la toute fin qu'il pourrait être intéressant, puisque pour lui, il fallait transmettre la question en intégralité, et qu'il pourrait être intéressant que le Conseil constitutionnel agence bien son calendrier pour que, dans l'agenda, l'examen des questions relatives au projet de loi renseignement et notre question à nous soit examinée par les mêmes personnes au même moment. Ça avait l'air de se ressembler comme question. Oui. Et c'est ce qui fait que, vu qu'il y aura saisine du Conseil constitutionnel sur le projet de loi renseignement, et que quand il y a saisine du Conseil constitutionnel sur un texte, on peut faire ce qu'on appelle... Alors quand c'est devant le Conseil d'État, ça s'appelle une intervention extérieure. Et quand c'est devant le Conseil constitutionnel, ne me demandez pas pourquoi, ça s'appelle en latin, ça s'appelle un amicus curiae. Alors amicus curiae, j'ai demandé à un vrai latiniste professionnel, ça veut dire ami de la cour. Donc en fait, c'est en tant qu'ami de la cour que nous lui apportons ce que nous pensons être des informations pertinentes sur un dossier que la cour a à traiter. Et donc pour le coup, ça c'est le dernier texte sur lequel on est en train de bosser ces jours-ci. Nous allons expliquer au Conseil constitutionnel ce qui, selon nous, ne va pas dans le projet de loi renseignement. Et dans la mesure où ce sera signé des trois mêmes associations qui ont signé le recours dont il est saisi sur l'article 20 de la loi de programmation militaire, qui parle exactement des mêmes bouts de texte, il y a des chances qu'il soit lu probablement assez attentivement, j'espère. Et on ne sera pas les seuls à envoyer des remarques au Conseil constitutionnel. Je pense qu'ils vont en recevoir un plein camion. Oui, parce qu'il faut bien voir, nous, les quelques remarques que nous avions sur leur texte pourri, ça fait 85 pages actuellement écrits petits, c'est ça ? À la dernière compilation LaTeX, ça en faisait 90 hier matin. Vous avez bossé ces trois derniers jours, c'est ça ? C'est ça. Ouais, okay. Donc je pense qu'on sera autour d'une centaine de pages. Alors pour vous donner des idées comme ça sur les volumes de texte que ça représente, le plus gros des recours contre les décrets, c'est le 2015-125 qui fait de mémoire 55 pages, un truc comme ça. Le 2015-253, il est plus court, il doit en faire une petite trentaine. Le plus court, c'est celui sur c'est le premier en fait, on n'était pas entraîné, on n'était pas chaud. Il doit faire à peine 25 pages. La QPC en fait 54. Un truc comme oui, ça, alors 50 c'est écrit en Word, police 12 ou 14, je ne sais pas. Enfin, c'est 13. 13. C'est du 13 points. Nous, c'est du 12 points. Il faut écrire gros quand on écrit. Je comprends d'ailleurs. Enfin, c'est des textes assez chiants à lire. Il faut que ce soit écrit gros, sinon on s'endort. Le mémoire qu'on prépare sur le projet de loi renseignement fait une centaine de pages. Le document qui a été envoyé qui sera envoyé dans quelques jours au Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure en cours et qui s'appelle « Premières observations ». C'est joliment dit. Hein. Il doit en faire. Il fait déjà un peu plus de 50 pages et on a quelques éléments à rajouter. Tu oublies la demande gracieuse d'abrogation. Oh, c'est ça, c'est un petit courrier 11 pages, c'est rien du tout. Ouais, mais en fait, ça coûte. D'un autre côté, comme on veut pas de réponse. Mais ça coûte beaucoup plus cher, l'air de rien. C'est ce qui a généré le plus de frais. Parce qu'en fait, on l'a envoyé à tous les ministres concernés parce qu'on voulait être sûr de ne pas être en tort. Donc en fait, on a envoyé 6 recommandés. Alors certes, des petits. Mais si recommandé à 5 euros pièce, ça fait beaucoup plus cher que le recommandé 2,5 kg envoyé au Conseil d'État. Donc voilà, ça m'a coûté beaucoup plus cher à la poste. Sinon, quoi d'autre ? Ben, on découvre plein de bouts de procédures amusantes. Non, les trucs dont on n'a pas parlé, c'est l'histoire de la question préjudicielle. Alors oui, après, il y a ce qu'on n'a pas encore lancé comme recours et qu'on pourrait. On pourrait envisager de déposer une QPC contre la loi Cazeneuve sur la censure sans juge. Mais c'est pas forcément promis à un brillant avenir puisque le Conseil constitutionnel a déjà dit qu'on pouvait censurer sans juge pour le pédoporn. Donc il y a peu de chances qu'ils nous disent que pour le pédoporn on peut et que pour... Alors il y a un point sur lequel on pourrait vraiment poser la question au Conseil constitutionnel et qui a un intérêt, c'est ce ne sont pas les sites qui préparent les attentats, ce sont les sites qui font l'apologie du terrorisme. Et l'apologie du terrorisme, ça relève du délit d'opinion.
Et c'est très compliqué de voir à quel moment on est d'accord avec les opinions politiques des terroristes. Alors je rappelle, comme ça, il faut resituer, il faut changer de contexte pour comprendre. Au siècle dernier, à peu près à la même époque, mais au siècle dernier, les terroristes, c'était les anarchistes. On peut être anarchiste, approuver les idées politiques des anarchistes, et cependant ne pas être un poseur de bombes. Faut-il interdire la propagande anarchiste ? C'est pas clair. Faut interdire les gens qui font exploser les bombes et qui tuent les autres. Ça, d'accord, c'est du bon sens à peu près standard. Mais interdire les gens qui, en fait, discutent d'opinions politiques. C'est pas clair. Les gens qui expliquent par écrit qu'ils trouvent que l'État islamique, que Daesh, c'est formidable, et que c'est l'avenir, et que c'est comme ça qu'il faudrait organiser la société, on peut ne pas être d'accord avec eux. Mais c'est un délit d'avoir cette opinion-là. C'est très, très compliqué. Les sites où on s'entraîne à poser des bombes, où on s'entraide, on s'explique où acheter les bons détonateurs, et à quelle heure il faut faire quelle bombe dans le métro, et machin. Bon, ça, je comprends. C'est destiné à préparer un attentat. On peut envisager qu'il faille le censurer. Mais l'apologie, c'est très compliqué. Comme, ça relève vraiment de l'opinion. Et donc, à quel moment ça déborde ou ça déborde pas, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est une question qu'on pourrait poser au Conseil constitutionnel et où on pourrait voilà, lui demander de bien préciser que l'apologie, ça colle pas et que les sites des groupuscules terroristes qui font leur promotion, ça à la rigueur, mais pas les sites qui en parlent. Et voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait demander lors d'une QPC, ce qu'on n'a pas prévu pour le moment. On n'a un peu pas le temps. Il y a la question préjudicielle. Alors ça, c'est un peu comme une QPC, mais c'est au niveau européen. Le Conseil d'État, s'il a un doute sur la façon dont il faut lire les textes européens, peut demander à la CJUE, que dois-je faire ? Comment je dois interpréter tel truc ? Nous, on ne peut pas le forcer. On peut suggérer, mais après, c'est le Conseil d'État qui pose la question, ce n'est pas nous. Et donc, on avait envisagé, dans le cadre du recours contre les décrets d'application de la LPM, de suggérer au Conseil d'État d'aller demander à la CJUE de l'éclairer sur la décision Digital Rights contre Irlande, pour savoir à quel point le droit français était conforme aux normes européennes ou pas. Pour le moment, ce n'est pas fait. Donc il y a deux ou trois points de branchement où on pourrait venir pluguer des demandes de questions préjudicielles. Pour le moment, on a gardé ça sous le coude. Oui, après, on peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est plus long, ça. On va essayer d'être dans le timing à peu près, histoire de faire mentir Skaen. Et donc si vous avez des questions, c'est pas mal comme moment. Il faudrait des micros, du coup. Une question. Si le ministre abroge le décret de rétention des données, on a perdu, parce que du coup la loi est toujours là et il peut proposer un nouveau décret. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. S'il abroge les décrets, d'abord ça veut dire que la rétention des données de connexion saute. Ça veut dire que tout le contenu du numérique du projet de loi renseignement n'a plus de sens, puisqu'il n'y a plus de données à collecter. Ça veut dire qu'il reconnaît que ces décrets sont contraires aux droits de l'Union et que donc il admet qu'il va falloir changer tout. En fait, le simple fait qu'il abroge les décrets à notre demande fait qu'il reconnaît que la loi n'est pas conforme aux droits de l'Union, puisque la loi organise une rétention systématique et de longue durée des données de tout le monde. Le simple fait qu'il reconnaisse que les décrets sont contraires à la décision de la CJUE, fait que, en gros, le Premier ministre reconnaît qu'il faudrait modifier la loi, mais lui, il n'est pas législateur. Il n'a pas le droit d'abroger une loi. Il faut qu'il demande au Parlement. Mais, s'il nous donne raison, il ne pourra plus soutenir le contraire.
Bon. Donc il ne nous donnera pas raison, ça je suis tranquille là-dessus. Non, il ne peut pas nous donner raison à moitié ou un petit peu. Nous on lui dit, le décret est contraire à la décision, il faut l'abroger. Il nous dit oui ou il nous dit non, mais il ne va pas nous dire, ah oui, tiens, il y a telle virgule qui est contraire. C'est infiniment peu probable. Et ça ne changerait rien en fait au fond, nous attaquerions quand même sa décision dans ce cas-là. Donc ça ne change pas le fond de la question. Déjà, bravo, vous ne devez pas être beaucoup à bosser là-dessus, et c'est quand même une montagne de boulot que vous avez abattu, donc c'est impressionnant. J'ai deux questions, surtout une concernant la LCEN. Tu disais qu'elle est plus ancienne que la directive européenne, et du coup, la question que je me posais, est-ce qu'on peut supposer, au niveau de la politique européenne, par exemple, que la France aurait fait partie des pays qui auraient, par exemple, poussé pour cette directive. Est-ce que dans le jeu politique, oui. C'est quelque chose qui arrive ? Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments qui, en dehors de la supposition ? Ah, mais c'est pas une supposition. On sait, enfin, on était là à l'époque. La France faisait partie des pays qui poussaient pour la rétention des données de connexion. L'Allemagne poussait pour qu'il n'y ait pas de rétention des données de connexion. Et donc, en Allemagne, jusque très récemment, il n'y avait pas de rétention du tout des données de connexion. Ils en ont mis en place une récemment, puisqu'il y a des textes européens qui obligent à ce qu'il y ait des données disponibles. Je pense que l'Allemagne a dû être condamnée plusieurs fois pour ne pas avoir transposé la directive 2006 bidule. Là. Et les données sont conservées pendant 3 semaines. C'est-à-dire que la police a 3 semaines pour demander ce qu'elle doit demander dans le cadre d'une affaire judiciaire. Pour mémoire, en France, c'est 1 an. Ok. Et ils ont une procédure très particulière qui est, si on suspecte quelqu'un, on ordonne un freeze sur les données. Le temps que le juge d'instruction décide si oui ou non il veut voir les données, la police peut demander un freeze, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas détruites. Elles sont conservées en attendant que le juge décide s'il veut les voir. C'est pas la police qui prend les données. Elle dit à l'opérateur, attention, tu ne détruis pas. Donc il y a un freeze sur les données. Et la police, c'est-à-dire, je crois que c'est en Allemagne qu'ils ont mis en place cette procédure-là. Donc, oui, la France faisait partie des pays qui poussaient. La volonté de surveiller tout le monde sur Internet en France, moi, je m'en souviens. Alors, c'est dommage que Laurent Chemla ne soit pas là, parce que c'est lui et Valentin Lacambre, à l'époque, qui étaient les équivalents de la quadrature du net, si tu veux. C'était la LSI et la LSQ. Donc la loi sur la sécurité intérieure et la loi sur la dite de sécurité quotidienne, c'était le gouvernement Jospin en ce temps-là. C'était fin Jospin. Alors que c'est déjà la gauche, hein, les textes tout pourris pour surveiller Internet, cherche pas, c'est la gauche. Alors que les textes nuls sur les télécoms, c'est la droite. Moi, mes tout premiers débuts de trucs auxquels je me suis un peu intéressé de loin, où je m'essayais dans le public à l'époque, c'était l'amendement Fillon sur le paquet télécom, ça c'était en 96. Et je sais pas. Oui. Mais donc oui, la France fait partie des données qui poussaient pour qu'on retienne les données de connexion et aimerait bien pousser vers 2 ou 3 ans. D'accord, plutôt que 1. Oui. Et peut-être vous l'avez dit et j'ai zappé, la substance de ce qui opposait Digital Rights Ireland, c'était contre le gouvernement en Irlande ou c'était... Alors, je pense que non, je pense que c'était en fait, je pense que l'association s'appelle Digital Rights Ireland et qu'elle attaquait la directive. Donc c'était, elle attaquait pas une décision du gouvernement, elle devait attaquer directement la directive, je crois. Parce que d'habitude, quand on cite les jurisprudences, c'est toujours machin contre truc. C'est-à-dire qu'on a plein de... Alors au fait, le titre de la conférence qui est French Data Network et autres contre gouvernement, c'est vraiment le titre qui s'affiche en haut de l'extranet du Conseil d'État quand on se connecte pour consulter nos dossiers. Puisqu'il y a 3 requérants qui sont dans l'ordre French Data Network, la Quadrature du Net et la Fédération FDN. Et que donc le Conseil d'État met le nom du premier requérant et autres contre gouvernement. C'est plutôt la classe. Et ça fait un peu classe, quoi. N'empêche que je détiens le high score quand on avait posé le premier recours contre Adopi, où on connaissait absolument rien de comment il fallait faire. Et la veille de la date butoir des 2 mois, on s'est rendu compte qu'on pouvait essayer de viser une faille. On n'avait pas le temps de préparer quoi que ce soit. Donc on a envoyé un courrier d'une page et demie disant qu'on attaquait le décret. On veut faire quelque chose, attendez. Et donc ça, comme on respectait aucune procédure de rien... Le Conseil d'État l'avait enregistré comme Benjamin Bayard contre gouvernement. Et alors ça,
Alors, on a perdu quand même. Mais c'était vachement beau, quoi. Tu te connectes sur le truc du Conseil d'État et c'est écrit Benjamin Bayard contre gouvernement. Waouh. Excusez-moi. Ouais. Là. Bon, bravo pour votre travail. Je voulais revenir sur le PLJ renseignement. Dans le cas où il passerait, ce que personne ne souhaite ici, j'ai cru comprendre qu'il y avait deux types de décrets, un décret public et un décret confidentiel. Et je voulais savoir du coup s'il y avait possibilité, enfin comment on attaquait du coup des décrets qui sont... Alors il y a les décrets non publiés puisqu'il y a les décrets qui relèvent du secret défense. Et tu ne peux pas attaquer un décret non publié puisque tu ne sais pas ce qu'il y a écrit dedans et que si jamais tu apprenais ce qu'il y a écrit dedans, il serait obligé de te tuer. Donc globalement, tu ne peux pas l'attaquer. Structure juridique. Il n'y a pas de structure juridique prévue, ni Conseil d'État, ni alors, Conseil constitutionnel qui peut faire quelque chose contre ça ? Si, un peu, mais... Alors, il faut comprendre, le Conseil d'État est coupé en trois. Alors là, pour le coup, Agnès, tu cries si je dis des bêtises. Il y a trois sections au Conseil d'État. Il y a la section du contentieux. C'est celle à laquelle on s'intéresse, nous. La section du contentieux est celle qui est la Cour de cassation de la hiérarchie du droit administratif. Il y a la section des études qui publie tout un tas de rapports sur tout un tas de sujets et qui a publié son rapport annuel principal il y a quelques mois qui est sur les libertés numériques, donc qui est au centre de nos sujets. Et il y a la section du conseil qui conseille l'État. Tous les projets de loi avant, en sortant du, avant, je crois que c'est après avoir été présenté en Conseil des ministres, doivent être présentés au Conseil d'État. Qui regarde si ça a l'air de tenir debout ou si c'est juste de la merde en barre, puis qui corrige un certain nombre de problèmes. En fait, la section du conseil sert de conseil au gouvernement sur tout un tas de sujets. En particulier, tu as tout un tas, t'as des décrets simples et tu as des décrets pris devant le Conseil d'État. Donc un décret pris devant le Conseil d'État, c'est que le décret a été rédigé par le gouvernement, puis a été amené au Conseil d'État, qui a réécrit tout ce qui n'allait pas. Et en général, quand tu as un décret pris devant le Conseil, il est plus rare qu'il se fasse casser. Sauf que c'est vraiment pas la même branche, du tout, de la maison. La section du conseil et la section des études, c'est tout le haut de chacune des promos de l'ENA. La section du contentieux, ce sont des magistrats qui ont été dans les tribunaux administratifs et qui sont montés dans la hiérarchie. Donc, il y a quelques passages de l'un à l'autre, mais c'est plutôt des magistrats d'un côté et c'est plutôt des énarques de l'autre. Donc, ils bossent dans le même couloir, ils se connaissent, ils vont à la même cantine, hein, mais c'est pas tout à fait, ils font pas le même métier, quoi, globalement. Les décrets non publiés seront quand même des décrets devant le Conseil d'État. Donc, ils sont normalement, il y a des gens qui les auront regardés un peu, mais ça peut contenir un peu n'importe quoi. Et ceux-là, on ne pourra pas les attaquer. Et là, ça fonctionne. Ouais. Comme je ne suis pas juriste, je veux bien que tu expliques un peu plus précisément comment, en faisant, si j'ai bien compris, tomber le 246.1 du Code de la sécurité intérieure, qui devient, désolé, hein, le 851.1 du projet de... dans le nouveau code post-projet de loi renseignement, comment, en mettant en péril cet article-là, tout le reste tombe ? Parce qu'il y a effectivement des renvois d'articles, mais par exemple, je suis désolée, c'est vraiment un peu technique, mais le 851.4, par exemple, qui est le fameux sur les boîtes noires, renvoie au 851.1, mais sauf que dans le 851.1, les opérateurs, par exemple, et les hébergeurs sont précisément définis en référence à d'autres articles, d'autres lois, et typiquement la LCEN. Bref, est-ce que, en fait, en changeant des formulations, ça permet pas de patcher le truc pour dire les choses rapidement, quoi. Ah, c'est patchable. Mais si le Conseil constitutionnel te dit que l'accès administratif tel qu'il est défini dans le 246.1 est contraire à la Constitution, tous les textes qui se réfèrent à ça deviennent inopérants. Enfin, si on fait sauter le truc qui dit information ou document qu'on peut demander aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès et aux fournisseurs de services, si ce bout-là est défini comme étant contraire à la Constitution, tout ce qui s'y renvoie continue à exister, mais est inopérant. Tout ce qui s'y renvoie dit tu peux demander les données définies à UNDEF. Donc tu peux demander toutes les pas données à personne. Donc là, tu es bloqué.
Et donc, tu peux recréer un article 851.1, mais qui sera nécessairement pas le même, qui devra tenir compte de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel sur ça peut pas être comme ci, ça peut pas être comme ça, faut que ce soit vert et pas bleu, faut que l'eau soit plus mouillée, moins sèche, tout ça. Voilà, le Conseil constitutionnel va dire ce qui lui plaît pas et pourquoi il casse. Et une fois qu'il a fait sauter le bout de loi qui lui plaît pas, si c'est ce bout-là qui saute, ça saute évidemment pour le projet de loi renseignement. Tout ce qui relève de la collecte d'informations numériques renvoie en référence à cet article-là. Les fameuses informations et documents. Voilà, les fameuses informations et documents. Donc si le Conseil constitutionnel dit que dans l'article 20 de la loi de programmation militaire, l'information ou document est contraire à la Constitution parce qu'il n'est pas assez précis et que donc il y a incompétence négative du législateur, bah, tout le volet correspondant du projet de loi renseignement tombe. Et ça ne veut pas dire qu'il faudra en réécrire 100 pages. Hein. Juste, il va falloir arrêter de dire information ou document, il va falloir dire quelles informations et quels documents. Donc voilà, c'est pour le coup, vraiment, si on obtient gain de cause devant le Conseil constitutionnel, on a torpillé le projet de loi renseignement. Je dis, faut pas se leurrer, deux ans plus tard, il y a le suivant, où ils auront corrigé les deux, trois failles. Enfin, à la fin, ils gagnent. Hein. Il y avait Joël qui avait une question. C'est bon. Ah oui. J'ai une question plutôt simple et pratique, en fait. C'est comment on commence à hacker le système que vous nous avez décrit, qui est la législation française, en fait. Parce que là, on voit un système qui est plutôt gros, complexe. On ne sait pas comment rentrer, en fait, pour pouvoir commencer à se poser les bonnes questions, en fait, pour commencer à les emmerder, en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des gens vers lesquels se rapprocher? Comment on fait, en fait, juste pour commencer, en fait, à voir ça? Alors, à 13h, il y a Isabelle Attard qui a répondu des bouts de trucs intéressants là-dessus. Elle a été enregistrée, je pense. Et donc globalement, elle expliquait que tout ce qui se passait avant l'étude du projet de loi à l'Assemblée nationale, c'est à ce moment-là qu'il fallait intervenir. Et donc avec les gens du DIRCAP, des ministres, avec les conseillers de Monsieur Hollande, avec compagnie. Et c'est en travaillant avec ces gens-là et en leur posant des questions intelligentes et en essayant de leur donner des arguments pas trop déconnants sur les sujets qu'on connaît, qu'on peut peut-être arriver à influer un petit peu. Et puis sinon, Sans le micro, c'est vraiment pas cool. C'est trop compliqué pour moi. Ce que tu décris, en fait, c'est qu'il faut vraiment avoir une démarche sociale vis-à-vis de ces personnes, en fait, qui veulent pas entendre parler de nous ou qui veulent pas entendre nos avis, et vraiment, en fait, avoir une forme de résilience permanente, en fait, et aller les voir, jusqu'à ce que le message passe, en fait. C'est la seule méthode, d'après ce que je comprends. Alors, c'est plus fin que ça. T'as deux approches. Ou bien t'estimes que le système est pourri, qu'il ne pourra pas changer, que ces gens-là sont trop cons et ne feront jamais rien. Et dans ce cas-là, la seule approche qui reste, c'est l'approche révolutionnaire violente. Et donc tu décides que tu vas poser des bombes pour faire sauter le système parce qu'il est pourri. Bon, donc ça c'est une des approches possibles. Ou encourager une invasion par une armée étrangère, comme le suggère Stéphane, ce qui est une des options. Mais par exemple, en proposant que la France soit raccrochée à la Belgique, ce qui, moi, me paraît plutôt... Des gens qui sont capables de vivre un an et demi sans gouvernement sont très fréquentables. Oui, puis eux, leur cour constitutionnelle vient de faire sauter la rétention des données de connexion, précisément sur l'argumentaire que nous soulevons, etc., etc. Enfin, exactement parfait, la décision nickel. Donc ça, c'est la première approche. Tu considères que le truc est totalement pourri, tu veux pas parler aux cons, il faut donc faire une révolution violente. T'as une deuxième approche qui est de dire, ok, le système produit de mauvaises décisions, mais bon, on a essayé d'expliquer à l'exécutif, ils nous ont pas écoutés, on a essayé d'expliquer au législatif, ils nous ont pas écoutés, ils nous ont pas cru. Quand ils nous ont écoutés, ils avaient pas le pouvoir d'eux. Il reste que l'institution qui est en charge de protéger nos libertés, c'est la justice. C'est comme ça que c'est construit en droit français. Ils le font pas toujours, mais ils le font parfois. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Si tu vas les voir
en ne leur parlant pas le bon langage. Ils ne vont pas te comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre ce que tu dis. Si tu ne leur expliques pas dans leur langue en quoi ce dont tu parles et qu'ils ne connaissent pas est quelque chose d'important, bah, faut repérer. Moi, il y a 20 ans, quand je, à peu près 19 ans, quand j'ai pris la présidence de FDN, si j'étais allé expliquer ce qui pour moi était une évidence, que la neutralité du net ou équivalent est une liberté fondamentale, et que l'accès à Internet joue un rôle clé dans les structures de liberté fondamentale de nos sociétés, personne ne m'aurait cru. Cependant, on a obtenu en 2009 que le Conseil constitutionnel dise que l'accès à Internet est une condition nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression. Donc, que tu ne peux pas être privé, être interdit d'accès à Internet sans la décision d'un juge. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une liberté garantie par la Constitution. Donc, on obtient certains résultats. On n'obtient pas ce qu'on veut, on ne l'obtient pas à la vitesse où on veut, mais on obtient un certain nombre de résultats. Après, on ne gagne pas à tous les coups. Alors, après, comment on fait pour hacker le système? Hacker au sens à apprendre à s'en servir. Parce que j'estime que quand trois informaticiens et quatre juristes qui bossent sur leur temps libre dans des etherpads avec quelques bouts de makefile et de script qui recompilent le LaTeX derrière, je t'assure que... Oui, non, ça, le côté LaTeX, c'est moi. Je t'assure que c'est considéré comme hacker le système. Ils s'attendent pas à ce qu'on vienne comme ça. Des associations qui déposent des recours avec pas d'avocat, ils n'ont pas l'habitude. C'est pas usuel au Conseil d'État. Donc ça, c'est à quel système pour moi. Et ça, ben, ça suppose quoi? Ça suppose de passer un temps colossal à lire. Moi, en fait, la première fois que je me suis intéressé au droit administratif, je suis allé lire tout le blog du professeur Frédéric Rollin, qui tenait un blog super intéressant sur du droit administratif. J'en comprenais pas la moitié. Mais au moins, j'ai compris ce que c'était que le droit administratif. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Quand je cherchais à comprendre une notion, j'ai eu un mal chien à comprendre la théorie de la loi écran, et c'est après l'avoir comprise que j'ai appris qu'elle n'était plus applicable. Ça m'a bien énervé. Mais voilà, tu cherches et tu lis. Et il faut lire. C'est une des raisons pour lesquelles on a publié nos recours. Moi, je n'avais aucune idée de comment s'écrit un recours devant le Conseil d'État quand j'ai écrit le premier truc sur Adopi. Donc ça ressemblait à rien, mon texte. C'est juste de la merde en barre. Mais maintenant, je sais comment ça s'écrit. Et c'est pour ça que je voulais qu'on publie nos documents. Pour que vous ayez une chance de les lire et que dans d'autres associations qui font d'autres choses, vous puissiez savoir, ok, quand on voudra se battre sur tel texte, voilà comment ça s'écrit. Voilà le genre d'information qu'on cherche. Voilà comment on cherche à démontrer ce qui ne va pas. On ne cherche pas juste à dire c'est moche et c'est pas beau. Voilà comment se construit l'argumentaire. Et puis si on a perdu, tu pourras te dire, voilà comment se construit un argumentaire insuffisant. Mais voilà, pour moi, hacker le système, c'est ça. Il faut passer un temps colossal à lire. J'ai une question. Joël. Bon, aussi, j'ai une question sur les patchs possibles, un peu comme la remarque précédente. Si j'ai cru comprendre que l'arrêt sur la digitale, la détention des données de connexion tenait, ou plutôt à sauter, parce que c'était une surveillance généralisée, donc il n'y avait aucun filtre. Donc je regarde le patch contraire. Si le gouvernement décidait, par exemple, de la loi renseignement, qu'il applique des filtres, par exemple, c'est une communication qui est chiffrée, dont c'est suspect, dont je fais la rétention parce que j'ai un filtre. Je ne surveille pas tout le monde. Je surveille ceux qui sont suspects. Quoi. Non. Alors, pour dire qu'une communication est chiffrée, ça veut dire que tu regardais si des fois elle ne le serait pas, donc que tu surveilles tout le monde. Paf, ça ne passe pas. Tu ne fais pas la rétention. Ben, non, mais tu surveilles tout le monde. Et le fait de surveiller tout le monde, ça, la Cour de justice de l'Union européenne a très clairement dit que ça n'allait pas. Donc, c'est... Il y a un deuxième point qui est très intéressant, c'est ce que nous dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est ils veulent bien qu'on garde un peu les données sur les gens qui sont suspects, pas sur les gens qui ne le sont pas. Et donc, faire une loi qui dise autre chose que ça aujourd'hui est très dur. C'est-à-dire, elle n'a aucune chance de survie. Mais faire du chiffrement, pour certains, c'est considéré comme suspect. Ah bah oui. Après, je ne sais pas si c'est utile d'expliquer les interprétations minimalistes et maximalistes de... Je te laisse faire parce que ce sera plus clair. Alors ça, c'est ce qu'explique le Conseil d'État dans son étude annuelle. Il fait deux interprétations possibles de la décision Digital Rights Ireland. L'une dite maximaliste, qui est de dire
la rétention des données de connexion sans motif, c'est pas possible. Et l'accès à ces données quand on les conserve sans un juge, c'est pas possible. Ça, c'est l'interprétation dite maximaliste. Il y a une interprétation minimaliste qui est de dire, en France, on conserve beaucoup les données, longtemps et de manière obligatoire, mais l'accès est toujours très encadré avec des procédures. Donc, ça va. Comme l'accès est encadré, on peut se permettre de retenir les données, alors qu'en Irlande, l'accès était très peu encadré. La question a été posée lors d'un colloque organisé sur ce sujet-là par le Conseil d'État, où il y avait un des juges qui a signé l'arrêt Digital Rights Ireland, qui était présent, un juge allemand. La question a été posée par un Gus sorti d'un garage qui traînait dans le public, de savoir laquelle des deux interprétations était la bonne. Innocemment, quoi, l'air de rien, comme ça, entre la poire et le fromage, c'était dans les questions du public. Ah oui, c'est organisé par le Conseil d'État au Conseil d'État. Enfin, tu vois, c'est et où là le juge allemand fait, mais il me semblait pourtant que la décision dans les paragraphes 57 à 60 était très claire. On ne peut pas conserver les données des gens sans raison. Oui. Il faut que la lumière soit éteinte. Test. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. D'accord, c'est bon, tout le monde m'entend ? Ouais. Alors, je suis désolé, c'est une question spécialement pour Benjamin Bayer et pas spécialement pour le conférencier, et qui n'a pas grand rapport avec la conférence. Je suis triste, mais c'est comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur le blog de Corben, on a pu voir un truc comme quoi Benjamin Bayer président, tout ça, ce serait cool. Et est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu as l'intention de donner suite? Et est-ce qu'un jour, on a eu une chance de voter pour Benjamin Bayard, président? Alors, moi, je te réponds avant qu'il réponde le truc sérieux. J'en ai encore besoin. Si jamais il devient président de la République, il n'aura plus le temps de faire joujou à ses conneries. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'on a deux options. Soit on bute tout le monde et c'est la révolution dans le sang, soit on utilise le système pour faire des trucs cool. Et moi, le meilleur moyen qui me semble qu'on ait à notre disposition pour utiliser le système afin de faire des trucs cool, c'est qu'on ait un président qui sache de quoi il parle. Du coup... Alors, je vais t'apporter des éléments de réponse. Bien entendu, j'ai vu passer le papier de Corben, ça m'a fait mourir de rire. J'ai apporté une réponse très sérieuse sur Twitter. Donc, tu te débrouilleras pour la retrouver. D'accord, je me démerderai. Voilà. Je ne suis pas sur Twitter. Et toc, ben, tant pis pour toi. mais je crois que Corben cite ma réponse dans son papier en disant quand il y aura une plateforme intelligente, moi me présenter tout seul, je ne vais pas le faire, je n'ai pas que ça à foutre. Mais s'il y a des gens qui veulent que je sois candidat et qui ont un programme pas débile, on regardera. Mais pour le moment, tout ce que j'ai vu m'a fait rire. Donc non. Après, il y a plein de problèmes de fond dans ce que tu soulèves. D'abord, tu supposes le pouvoir corrompt. Le pouvoir est corrupteur. Me crois-tu incorruptible ? Disons non, mais plus difficilement corruptible que quelqu'un d'autre. T'en sais rien, t'as pas essayé. Si on commence à te faire des bières, ça va pas marcher. Non, mais il y a plein de trucs qui marchent vachement bien. En fait, je suis très aisément corruptible. Donc c'est... c'est une erreur assez bête. Je suis pas du tout sûr que je ferais un président de la République intéressant. Je sais parler en public, c'est tout. Ça peut servir, mais... mais bon, voilà. Si dans une structure cohérente et pour dans un contexte cohérent et pour porter un programme cohérent, je peux servir de porte-parole à un truc politique qui me paraisse pas con, je le ferai. Tant que c'est de la merde en barre présentée par n'importe qui, fait n'importe comment, j'irai pas. D'accord. Mais ministre du numérique, j'ai déjà publié mes conditions dans la presse. Elles n'ont pas été acceptées. Ouais, il faut le faire en latex, c'est ça. On va te faire un beau programme en latex. Et sinon, j'ai une autre question qui est encore une fois adressée spécialement à toi. Pourquoi tu t'es rasé la barbe ? Parce que ça faisait un peu vieux sage avec ta barbe. Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Ok. On entend beaucoup parler d'algorithmes, des algorithmes, oh là là, ils vont attraper des vilains pédonazis djihadistes terroristes.
Est-ce qu'ils se rendent compte, au moins, que leurs algorithmes, on pourrait très bien jouer avec et mettre des scripts qui taperaient djihad ou des conneries dans le genre sur le net? Parce qu'au final, leur algorithme, il ne sert absolument à rien. Ils devraient s'en rendre compte. Ben, j'en sais rien. Moi, je ne l'ai pas lu, l'algo en question. Ils ne veulent pas le rendre public. Apparemment, ce serait... Ben oui, mais... Non, mais du coup, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais même pas sur quel type de données il porte. Typiquement, s'il analyse la géolocalisation de tous les téléphones de France, ce qui est parfaitement conforme avec le texte, et qu'il le fait en temps réel, du coup, il permet d'identifier tous les gens qui se rencontrent régulièrement dans telle mosquée réputée intégriste. C'est bien un algorithme qui détecte des gens intéressants. Et cet algorithme-là n'est pas forcément idiot. Tu vois ce que je veux dire? Il va faire des faux positifs. Et évidemment, tous les gens qui passent prendre un café dans le troquet d'en face de la mosquée, le vendredi, à l'heure de la prière, seront identifiés comme... Et comme tous les algorithmes ont des faux positifs, si tu veux. Mais la vraie question là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on va chercher à identifier? Et ça, on ne sait pas. Et il se trouve qu'il y a plein de principes de droit qui disent qu'il ne faut pas le faire. Mais depuis longtemps, dans la loi informatique et liberté en 1978, l'article 2, si ma mémoire est bonne, qui doit être devenu l'article 10 depuis dans la loi actuelle, dit qu'on ne peut pas prendre une décision contre quelqu'un sur la base uniquement d'un profilage informatique. Donc, ça, c'est dans la loi d'informatique et liberté de 78. Les mecs étaient visionnaires. Ça a été repris dans les dispositions européennes depuis. Donc, la question de on peut faire une étude algorithmique du comportement des gens pour en déduire que certains sont suspects et donc les placer sur écoute, ce qui est donc prendre une décision qui leur fait grief, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On sait depuis la loi informatique et liberté de 78 que c'est une connerie. Les textes européens disent qu'il ne faut pas le faire. La seule question qui reste, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel décidera qu'il ne faut pas le faire? J'espère que non, mais si jamais c'est le cas, on pourrait toujours s'amuser à le rendre complètement dingue, cet algorithme. Ça pourrait tant être que tu sais pas, et une fois qu'on aura vu le code et qu'on saura ce qu'il cherche, on peut le faire biper toutes les secondes si on a envie. Tant qu'on ne sait pas ce qu'il cherche, et a priori on ne saura pas de manière simple, il va falloir attendre des fuites, il faudra encore que Wikileaks trouve 100 000 dollars pour promettre... Ah voilà, ça va être chiant. Mais c'est une vraie question. Une fois qu'on sait ce qu'il y a dedans, évidemment qu'on va s'amuser à le faire biper. Si on le teste. Non, c'est pas quand FDN aura 500 000 dollars, c'est quand FDN aura reçu son injonction de poser une boîte noire, on l'étudiera et on te dira ce qu'il faut faire. Je serai le premier à vouloir venir vous aider à l'ouvrir, hein. Il n'y a pas de souci. Bonjour, moi c'est une question simple. On parle souvent de l'Europe. Et est-ce qu'il existe finalement un... EUDN, un fédéralisme de toutes les associations au niveau européen et qui permettrait de synthétiser, de faire une espèce de synergie sur tous les moyens d'empêcher ce genre de loi. Alors, il y a des choses. D'abord, dans tout ce qui est en fait plutôt côté quadrature, c'est-à-dire dans les associations de défense des libertés sur Internet, il y a des structures européennes qui regroupent les associations. C'est essentiellement EDRI, l'association européenne qui regroupe les associations qui bossent sur ce sujet-là et dans laquelle tout le monde coopère un peu, etc. Donc il y a des choses dans ce domaine-là. Dans ce qui est du fournisseur d'accès Internet associatif, déjà on a arrêté d'être un en France. On est une fédération et on est 28. C'est un net progrès. Il se trouve que FDN fait toujours office de très vieil ancêtre, puisque ça a 23 ans. Mais il y a d'autres associations qui émergent un petit peu partout en Europe, dans tout un tas de contextes, ou bien pour faire de la couverture Wi-Fi en zone blanche, ou bien pour fibrer dans les zones où on sait qu'aucun opérateur n'ira avant 2040. Il y a plein de contextes comme ça où on voit émerger des structures associatives extrêmement intéressantes. On est en contact comme on peut avec une partie de ces structures via des bouts de mailing list internationales. Il n'y a pas encore de structure fédérale internationale. Mais on existe. Enfin, on existe, on se voit, on se devine, on se rencontre parfois. Il y a des contacts qui se font. C'est pas encore fédéré, on se connaît encore pas bien. On n'a pas du tout les mêmes pratiques, on fait pas les mêmes choses, Enfin, si tu veux, il y a 3 ans, on faisait quasiment pas de droit dans FDN, quoi. Depuis 6 mois, on en bouffe un putain de paquet. Donc c'est
tout ça est très mouvant, mais il y a des tas de structures en Europe sur la défense des libertés. Ils sont plus organisés que nous, mais d'un autre côté, ils ont l'habitude de se retrouver à Bruxelles, dans le quartier du Parlement, donc ils se voient, alors que nous, on ne se voit pas. Enfin, les copains qui font des trucs super intéressants en Espagne, voilà, enfin, moi, a priori, comme ça, je n'ai pas l'occasion d'aller en Espagne, donc on se croisera peut-être si on va tous au CCC, ou si on va tous à telle rencontre internationale. Mais tu vois, des rencontres internationales, il n'y en a pas tant que ça. On pourrait essayer d'en créer une. Pour le moment, il n'en existe pas. Donc si on en crée une, personne ne viendra. Enfin, c'est un problème de poulet d'œuf. Et on me dit 5 minutes, donc il faut faire vite. J'ai pas de retour là. Ah si, c'est bon ? C'est mieux ? Allô ? Ouais, c'est bon. C'était une question justement par rapport aux boîtes noires, les dossiers, les décrets qui vont être secrets et autres. Est-ce qu'on n'aurait pas moyen aussi de hacker un peu la paperasse administrative pour placer des petits gens, secret défense, très secret défense, essayer de rentrer un peu à droite à gauche? Ou est-ce que c'est vraiment complètement mort sur ce sujet-là? Il n'y a rien à faire, je sais que c'est compliqué, les besoins d'en connaître et d'autres choses comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose que ce qu'on a fait, le hack juridique, on pourrait pas faire le hack administratif de ce côté-là? C'est très compliqué de répondre. Je peux te dire oui, bien sûr, et du coup, c'est intéressant que nous ayons des gens qui sont d'accord avec nous dans la place et qui puissent nous faire fuiter un certain nombre d'informations et nous aider. Soit je te dis qu'il n'y en a pas, et alors tu vas te dire c'est triste, soit je te dis qu'il y en a déjà, et que les gens qui sont dans la place et qui nous soutiennent et qui nous aident, etc., je les mets en danger. C'est-à-dire qu'ils vont se faire voir alors qu'ils sont plutôt discrets. Donc, dis-toi bien que dans un groupe d'une centaine de geeks qui sont pas totalement dépolitisés, donc qui font autre chose que du Java pour Capgemini, okay, il y a quand même une probabilité non négligeable pour qu'il y en ait 80 qui soient plutôt proches de nos positions. Okay. Donc si dans tout le zinzin dont on parle, que ce soit côté service de renseignement, que ce soit côté télécom, que ce soit côté ministère, économie, Bercy, machin, il n'y ait pas des centaines de geeks qui sont au moins vaguement politisés sur ce type de poste-là, c'est l'évidence qu'il y en a. Et on est bien d'accord, sur une centaine de geeks à peu près politisés dans ce type de poste-là, il y en a probablement 70 ou 80 qui sont plutôt proches de nos positions. Simplement, ils n'ont pas forcément intérêt à l'exhiber. Edward Snowden, il allait au bureau avec des sweatshirts de l'EFF. C'était quand même déjà très affiché. On prend les paris sur le fait que dans les services de renseignement, les informaticiens, ils vont au bureau avec un joli t-shirt bleu comme il a le jeune homme au premier rang, là. Et voilà, ceux-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont péter le système ou qu'ils vont faire, enfin, ils vont pas saccager. Simplement, quand ils voient des choses intéressantes, on en entend parler. Alors, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas pourquoi ils viennent nous raconter ça. Voilà. Je voulais juste dire aussi une chose là-dessus, c'est sur les lanceurs d'alerte, du coup, qui soient, enfin, on les retrouve un jour, soit ils le font officiellement, un peu comme Snowden, soit ils le font par en dessous. Le gouvernement a essayé de se baquer un peu là-dessus. Il se protège contre les lanceurs d'alerte dans le projet de loi. Et en essayant de dire que, en gros, si vous faites fuiter des informations ou si vous dévoilez des informations, vous n'avez pas le droit, quoi qu'il arrive, de le faire. Voilà. Donc, du coup, c'est des choses qui est, enfin. Que le Parlement européen voudrait faire évoluer, que pas mal d'associations voudraient faire évoluer en Europe, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a ce type de problème. Mais aujourd'hui, s'attendre à ce que, rapidement en tout cas, il y ait des fuites ou des lanceurs d'alerte dans l'administration, dans les services de renseignement, etc., ça peut arriver, bien sûr, mais c'est compliqué, et les personnes en question seront mises en danger. Donc c'est un sujet qui n'est pas simple. Ah.
Moi, je n'avais pas en tête de lanceur d'alerte. Ouais, parce que moi non plus, ce n'était pas le lanceur d'alerte. Non, c'est-à-dire de le faire proprement en disant on envoie quelqu'un qui est habilité à avoir accès à un document en qui on a confiance. Pour le coup, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne filtrerai pas les données. Ça n'a pas de sens. C'est compliqué. Ça n'a pas de sens. En revanche, comment dire, dans les gens qui bossent sur ces dossiers-là, il y en a qui sont de notre avis et qui essayent d'expliquer à leurs collègues. Je ne crois pas que ce soit en discutant uniquement entre magistrats qu'ils soient arrivés à la bonne décision à la CJUE sur Digital Rights Irlande. C'est parce qu'ils ont croisé des informaticiens, des gens plus geeks, plus proches de ces sujets-là, qui leur ont expliqué. Ils n'ont pas deviné tout seuls. Les vieux juges du Conseil constitutionnel, tout gris, qui ont dit en 2009 sur Adopi, alors qu'ils savent probablement même pas se servir d'un ordinateur, que l'accès à Internet est une condition nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression, c'est parce qu'on le leur a expliqué, ça leur est pas venu tout seul. Ils sont pas cognés en sortant de la baignoire un matin et plaf, un triangle rouge, machin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est bien des gens expliquent. Ça veut dire qu'en fait, dans les juristes du Conseil constitutionnel à ce moment-là, toutes les petites mains un peu plus jeunes qui bossent sur plein de dossiers pour le Conseil constitutionnel, il peut y avoir des juristes geeks. Il pourrait même y en avoir qui, après, dans des changements de carrière, se retrouvent juristes à la Quadrature, ou pas loin, ou bénévoles, ou qu'un ancien bénévole devienne juriste dans un de ces trucs-là. Enfin, tu vois, pourquoi pas? Bon, et il y a des. Je prends un exemple très simple qui est pour le coup public. Benoît Tabaka, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Juriste qui bosse chez Google en ce moment. Il y a quelques années, il bossait au Conseil constitutionnel. Alors, je ne sais pas s'il faisait son stage de fin d'études ou quoi, un truc comme ça, mais il a bossé un certain temps au Conseil constitutionnel. J'imagine bien que lui, quand il parlait d'informatique avec ses voisins, il devait raconter des choses un peu plus intelligentes que la moyenne. Et voilà, c'est comme ça que ça diffuse. Mais c'est une façon de hacker le système qui est fort discrète. Il ne faut surtout pas venir avec un drapeau et une lance. Un hoodie EFF, c'est déjà voyant.